n'a pas porté plainte contre moi. Parce qu'ils disent, dans la plainte, c'était chantage et diffamation. Le juge déclare que je suis non coupable, donc blanchi de ce point de vue. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'on me condamne pour quelque chose dont on n'a pas souligné dans la plainte, c'est-à-dire tentative de chantage et de diffamation. Donc nous interjetons appel tout de suite et mon avocat Maître Condé et Maître Salif Béavogui, mes deux avocats, vont tout à l'heure interjeter appel puisqu'on ne va pas quand même se laisser faire. Chacun a compris c'est quoi ce procès, c'est un procès insolite, vous l'avez constaté vous-même, mais rassurez-vous que c'est bien parti.